Hello. Hello. Faites-moi un coucou si vous êtes là, que je vois qui est là. Hello, bienvenue. Alors, aujourd'hui, je fais un peu de bricolage à la maison et j'ai tenu à partager cela avec vous, ce petit moment avec vous. Voilà, il s'agit de ça. Je vais mettre ça sur le mur de ma cuisine. Parce que j'ai un meuble que j'ai commandé pour rallonger ma cuisine, rallonger mon plan de travail en cuisine et le mur est carrelé seulement jusque-là. Jusqu'ici. Et du coup, quand je fais à manger, là, mon téléphone est posé sur la plaque de la cuisine. Et quand je cuisine, bah, ça fait des éclaboussures sur le mur, puisque le carreau est juste seulement jusqu'à ce niveau-là. Ils n'ont pas prévu un rallongement de carreau pour pouvoir protéger le mur. Du coup, j'essaie de trouver moi-même le moyen de protéger mon mur, vous voyez? De là à là. Et j'ai acheté ça. Le sticker pour... Ça peut être utilisé en salle de bain et en cuisine. Donc là, celui-là, je vais l'utiliser dans ma cuisine. Il y en a un que j'ai déjà ouvert, je vais commencer par lui. C'est comme ça. Donc je vais juste décoller. Je vais juste décoller sur le mur. J'ai lavé mon mur avec cette éponge. L'éponge magique, vous savez, parce qu'il y avait déjà quelques éclaboussures et c'était sale. Donc j'ai lavé mon mur et ensuite je l'ai laissé sécher. Et ensuite j'ai passé un chiffon sec pour m'assurer que c'est bien sec. Et maintenant je vais coller. Alors c'est la première fois que je le fais, j'espère que ça va donner comme je le souhaite. Mets là, je peux faire le faire maintenant avant d'aller chercher le meuble que j'ai commandé parce que après bah, ça sera plus compliqué. Le meuble, je l'ai commandé il y a un petit moment déjà et il est arrivé. Il m'a envoyé le mail pour que je vienne chercher mon meuble. Alors, je vous montre, hein. Il est là. Suis en train de le fixer. Ça colle bien. Comme ça, au moins, on peut nettoyer quand il y a des éclaboussures dessus. Là, c'est sur la peinture comme ça. C'est pas facile à nettoyer, en fait. Et puis, ça fait partir la peinture. Plus tu laves, plus la peinture s'en va, quoi. Autant protéger la peinture avec un revêtement comme ça. Je prends une deuxième feuille. Ça fait un peu comme un puzzle en fait. C'est un peu comme un puzzle. S'il vous plaît, partagez le live. Faites-moi un coucou pour que je vois qui est là. Partagez le live, s'il vous plaît, pour me soutenir. Voilà, je décolle. Et là, cette fois-ci, je fais dans ce sens-là. Bon, j'enlèverai plus tard. Alors, j'essaie de bien l'agencer. Faut pas que je me loupe, hein. Je ne dois pas me louper. Là déjà, je me suis un peu loupée. Fais gaffe, Laura. Tu n'en as pas plein. Une fois que j'ai fini d'agencer comme ça, je colle le reste. Voilà.
Je fais au pif en fait, hein. Je n'ai pas réfléchi sur un plan précis, mais je fais au pif et on verra bien. Voilà, déjà comme ça, c'est déjà pas mal, hein. Je vais rajouter une feuille. Alors, dans chaque paquet, j'avais acheté deux paquets. Dans chaque paquet, il y en a cinq. Il y a cinq pièces. Comme vous avez vu là, ça, c'est deux que j'ai mis là déjà. Dans chaque paquet, il y a cinq pièces. J'en ai mis deux. Il m'en reste trois du premier paquet. Il m'en reste trois du premier paquet, comme vous pouvez voir. Donc, je vais continuer. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça décolle, non, ça n'a pas l'air. Sauf si, ben, on force dessus. Ben, c'est un autocollant, hein. Franchement, normalement, quand on voudra le décoller, il faudra juste décoller. Normal. C'est un sticker. Faudra décoller normal. Voilà, je poursuis. J'enlève la feuille du dessus. Je peux même la laisser, hein, si je veux. Et puis, j'enlève là. Ensuite, je fais pareil. Dans ce sens-là. En faisant attention de ne pas me louper. Je me suis déjà un peu loupée tout à l'heure. Mais bon, c'est la première fois que je le fais. Donc, c'est normal un peu qu'il y a un petit loupé au début. Mais après, bon, ça va. Une fois qu'on a la main. Une fois qu'on a la main, ça devrait aller. Plus important, c'est que j'arrive à protéger le mur, parce que franchement, surtout les maisons en location là, quand on ne protège pas le mur comme il faut, après ça coûte beaucoup cher, ça coûte tellement cher. De refaire la peinture, de refaire la peinture avant l'état des lieux. Et plein d'autres choses avec. Et les nettoyer aussi, c'est pas évident. Voilà. La troisième feuille a été fixée. Alors, que pensez-vous que je peux faire? Merci ma belle, merci beaucoup. Que pensez-vous que je peux faire maintenant? Donc, quand il y aura du gras qui éclaboussera dessus, je n'aurai qu'à prendre une éponge humide ou même une éponge pour laver, passer dessus, laver et ensuite nettoyer. Ça protège la peinture. Je ne vais pas mettre sur toute la longueur de la cuisinière parce que je n'ai pas assez. Je n'ai vraiment, j'ai pas assez. Bon, on va déjà mettre le quatrième pour voir ce que ça donne. J'ai dit sur toute la longueur du rallonge de mon plan de travail, je veux dire, puisque c'est la rallonge de plan de travail que je vais mettre ici. Ça, c'est déjà un plan de travail, mais en bois. En bois, et c'est que nous, on a pris, c'est autre chose, c'est un rallongement la même matière que la cuisinière que nous, on a trouvé sur place. Ça, c'est un plan de travail en bois que nous, on avait dans notre ancienne cuisine, dont on va se débarrasser du coup, parce qu'en fait, ce qu'on a pris, c'est un plan de travail avec des tiroirs pour des casseroles, parce que là, on n'arrive pas à ranger les casseroles. C'est très très compliqué. Celui-ci n'a pas de tiroir. Casserole, elle est couverte et tout ça. Je me débarrasse déjà de ça parce que ça prend de la place. Maintenant, il reste deux feuilles. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, ceux-là, je suis tombée dessus chez Aldi et c'était une promotion. Du coup, j'ai pris. J'ai pris au départ, j'ai pris. Je me suis dit, je suis en train d'aménager. Je ne savais pas encore quand je l'ai pris. Je ne savais même pas encore qu'est-ce que j'allais faire avec. Mais je suis dit, comme je suis en train d'aménager, à un moment donné, peut-être que je vais trouver l'utilité. Bon, je fais souvent des achats comme ça et parfois c'est embêtant parce que je mets de l'argent dans des choses qu'au final, parfois, je n'utilise même pas. Mais ça, c'était vraiment un bon investissement finalement parce que surtout que quand je suis entrée ici, j'ai constaté ce problème et je ne savais pas quoi faire. Et quand j'ai vu ça, je ne me suis même pas rappelé que j'avais ce problème-là. Je me suis dit, moi, j'ai suivi mon instinct, je me suis dit, je l'achète. Si, à un moment donné, j'aurais peut-être besoin. Si je l'achète pas maintenant et qu'à un moment donné, j'ai besoin d'un truc comme ça, je vais l'acheter plus cher. Alors que là, je tombe sur une promotion.
Donc, je fonctionne un peu comme ça et c'est comme ça que je l'ai acheté chez Aldi en promotion. J'avais déjà enlevé l'étiquette, sinon je vous aurais dit le prix. Mais il coûtait moins de 15 euros en prix de base. Le paquet était moins de 15 euros en prix de base. Et comme je vous ai dit, il y en a 5, 5 feuilles. 5 feuilles comme ça dans le paquet. C'était à moins de 15 euros. Et moi, je l'ai eu pour 8 euros le paquet. Donc les deux m'ont coûté 16 euros, 17 euros, on va dire. Voilà, c'est un peu ça. Donc je pense que même sur Internet, vous pouvez en trouver. C'est des stickers. Sticker, salle de bain et cuisine. Vous mettez juste ça, sticker pour salle de bain et cuisine. Et vous allez voir des propositions. En tout cas, moi, je n'ai pas regardé sur un site internet. Peut-être que là, si ça ne me suffit pas, je vais peut-être regarder pour compléter. Mais sinon, je suis tombée dessus comme ça et j'ai décidé de le prendre. Voilà. Et finalement, j'avais bien fait de le prendre. C'était un bon investissement. Pareil, je refais pareil que tout à l'heure. Comme un puzzle. La dernière feuille. J'ai renversé mes casseroles qui étaient au-dessus. Désolée pour le bruit. Alors, j'essaie de me concentrer parce qu'il ne faut pas que je me loupe. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Waouh! J'ai un peu plus de mal là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, une fois que c'est bon ici, le puzzle a été fixé. Je fais le reste. Bienvenue, bienvenue dans ce live bricolage. Dans ma cuisine. Je fais du bricolage dans ma cuisine. Ça fait plus de 3 mois que je me suis installée ici. Je suis toujours en train d'emménager. Parce que là où j'étais, c'était plus grand qu'ici. J'avais beaucoup plus d'espace qu'ici. Et là, j'arrive ici, c'est plus petit et je dois m'adapter. Et c'est pas simple. C'est pour ça que bah, je continue à me emménager au fur et à mesure, hein, parce que c'est pas top. Bon, j'en suis là. Je vais prendre la mesurette pour mesurer ce que ça fait déjà cette longueur.